Bonjour, Sébastien, 27 ans. Je viens de Picardie. Je suis technicien informatique et je travaille avec les agences de voyage. Voilà. Bonjour, Abel, conducteur d'autocar tourisme, dans les voyages des 8 en Picardie, et j'ai 49 ans. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 23 ans, j'étais assistante commerciale, mais j'ai arrêté pour m'occuper de mon fils qui a 9 mois, qui s'appelle Théo. Bonjour. Comment allez-vous? C'est la première question. Ah, les potes! Bonjour à vous tous. La première question nous dit sur 100 personnes à qui on a refusé un billet de banque, combien ont essayé de le placer chez un autre commerçant. Qu'est-ce qu'il y a, Christelle? Qu'est-ce qu'il y a, Christelle? Bonjour, Christelle. Je crois que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, Christelle? Ça n'a pas enregistré le tout, je crois. Qu'est-ce que ça n'a pas enregistré le tout, je crois. Coucou, non, ma Christelle. Il faut appuyer hyper fort là-dessus. Il faut pas appuyer hyper fort. J'ai une télécommande comme à la maison. Vous allez vous lui mettre combien? 74. Donc 74, regardez. Ouais, et ça appuie 4. Regardez. Alors? Ah, ouais, d'accord. Ah ben, vous avez répondu, vous. 80. 80. Ah, 80, on déjà bien. Le plus grand voyage que vous ayez fait en bus, vous, Abel? La Suède. Ah, vous avez été voir les Suédoises et les Suédois. Ouais. Sympa, la Suède? Super, super sympa. C'est un véritable conte de fées. Hein. Bien, très bien. Céline? Moi, j'ai répondu 72. 72, vous, vous avez déjà eu un faux billet entre les mains ou pas? Non, des pièces surtout. Des fausses pièces? Ouais, plus. Sébastien, la vie va bien. Vous avez été un petit peu angoissé quand vous avez été tiré au sort parce que ça vous a pris un peu par surprise. Voilà, tout à fait, ouais. Et puis là, ça va mieux? Ah oui, beaucoup, beaucoup mieux. Sébastien a répondu? 85. 85! Et en fait... Sur 100 personnes à qui on a refusé un billet de banque, combien ont essayé de le placer chez un autre commerçant? 67. Eh bien, mes amis, Céline, vous êtes la plus proche de la réponse, comme c'est sympathique. Quand... Ah, mais désolé pour Sébastien, vous perdez un stupid. Sébastien, la question suivante nous dit, si je vous dis Angleterre, Sébastien, vous me dites Angleterre. Londres. Londres, ouais. Tout simplement. Tout à fait. Les Anglais vous inspirent, Christelle, tout de suite. Je vous dis Angleterre, vous me dites... Chapeau melon. Chapeau melon. Ouais, parapluie noire. Bottes de cuir. Voilà. Je vois, bien. Aussi, bien. Ouais. Abel, vous, l'Angleterre, vous avez déjà conduit un bus en Angleterre? Bien sûr, bien sûr. Et alors, les Anglais, alors? L'Angleterre, ce qu'elle m'inspire, moi, c'est la cabine téléphonique et puis le bus, à double étage, rouge. Obligatoirement. Ah, tout à fait. Bien. Question suivante est en Angleterre. Combien de fois par jour sonne la cloche de Big Ben? Combien de fois par jour? Elle fut installée, Big Ben, depuis 1859. Depuis 1859, Christelle, vous avez marqué combien de fois? J'ai répondu 36. 36 fois par jour. Abel? Moi, 12.
Pardon ? 12 fois. 12 fois par jour. Céline ? J'ai mis la même chose, 12. 12 fois par jour. Sébastien ? 4. Big Ben. Ah ouais, mais je réfléchis qu'après, ouais. Din, 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 din. Ouais, ouais, je sais. Je crois que ça doit sonner tous les quarts d'heure, non? C'est din, 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 din. Absolument, Jean-Luc, din, tous din, les quarts d'heure. Din, et cela din, nous donne 96 din, fois par jour. Oui, parce qu'on fait un habile calcul. Christelle est la plus proche de la réponse. Sébastien, ça vous a plu? C'était la première fois que vous veniez à la télé? Ouais, tout à fait. Ça a été court, hein, Sébastien? Ah ouais, c'était court, ouais. Tant pis, je reviendrai. Et vous, ça nous a fait plaisir de vous... Que dire, si ce n'est quand même de vous offrir un cadeau? Vous vivez seul, non? Ouais, tout à fait. Tout seul? Ouais. Vous faites la cuisine un peu? Non, je mange au resto, ça va plus vite. Eh bien, alors là, on va vous donner une super occasion de faire la cuisine. On va vous offrir un mixeur. Yo, tu vas pouvoir rapper, tu vas pouvoir mixer, car le mixeur est dans la place. Ce mixeur-là, c'est top la classe. Sébastien, tout va bien se passer. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce que ça nous fait plaisir. Vous allez soutenir Abel, notre autocariste, Céline, maman au foyer, et Christelle, vous faites dans la vie? Agent de voyage, mais je suis en congé parental, là, actuellement. Oh. Ouais. Combien d'enfants, Christelle ? Deux. Ouais, deux super petits garçons, 6 ans et 17 mois. Très bien. À qui je fais de gros, gros bisous. Et qui s'appellent ? Jérémy et Gauthier. Jérémy et Gauthier. Ouais. La question suivante va nous parler d'une super pretty woman. On va parler de shopping. Votre compagnon fait le shopping avec vous, Christelle ? Non. Ah non ? Pas shopping ? Non. Rien du tout ? Non. Quelques courses de temps en temps ? Quelques de temps en temps. Il est d'où l'accent, dites-moi? D'Alsace. Vous venez de l'Alsace? Ah. Quelle ville? Ranspach-le-Bas. C'est un village. Ranspach-le-Bas. Ouais. Et vous venez exprès d'Alsace pour venir? Ouais. Exprès pour vous voir. C'est très gentil. Je vous tiens à dire. Merci d'Alsace. Abel, vous qui faites un petit peu tous les pays, en France, en Europe, un petit peu partout, pour le shopping idéal, où est-ce que vous aimez bien aller, vous, amis autocaristes? En Angleterre. Bien. Il y a des bonnes petites choses super. À faire. Super, ouais. Bon. Céline. Oui. Mon Céline, est-ce que votre mari vous aide? Oui. Est-ce qu'il s'appelle René? Non. Il s'appelle comment? Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre. Il est là, Pierre-Alexandre? Non, il est resté garder Théo. Ah oui, c'est lui qui fait la nounou aujourd'hui? Toute la journée. Eh bien, écoutez, c'est bien. Et comme ça, Céline, elle vient s'amuser à la télé. Eh bien, chacun son tour. Et pof! La question suivante nous parle de courses et de soldes. Vous savez, les soldes, le shopping? Challette en euros. Le budget moyen consacré au solde par une femme. On parle en une année. Oui, c'est-à-dire des soldes d'été et d'hiver confondus. Vous votez sur vos petites télécommandes, bien sûr. On commence par Céline. Dites-nous. 210. 210 euros pour Céline. Le public a l'air un peu triste. Christelle. Moi, j'ai mis 750 euros. 750 euros. Et là, d'un seul coup, on se dit qu'en Alsace, il y a beaucoup de soldes. Abel. 500. 500 euros pour notre autocariste. Et la réponse est de 357 euros. Eh bien, Abel est le plus proche de la réponse. Cela correspond en francs à 2342 francs. Deux. Christelle, avec 750 euros, vous êtes un petit peu... Bien. Christelle. Ouais. Vous faites pas cette tête-là. Non. Ça se passe bien avec votre mari? Ouais, la super. Vie, Ouais, il est adorable, j'ai un super mari, rien à dire. L'amour Ouais. Il
les câlins. Ouais. Je fais une question un peu indiscrète. Est-ce que vous avez des câlins au téléphone ou pas? Non, pas du tout. T'as jamais fait de câlin au téléphone? Même pas? Non, face à face. Face à face? Peau à peau. Non, pas au téléphone, non. Peau à peau? Ouais. Ok, non, c'est important. C'est passé. Est-ce que vous, déjà, vous avez été un petit peu au téléphone, un petit coup de fil un peu? Non, jamais non plus, non. Non plus? Non plus, non. Non. Toujours... C'est mieux en vrai. C'est mieux en vrai. Ouais. Tiens, d'accord. Abel. Non. Abel. Jamais au téléphone. Jamais au téléphone. Non. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, bien sûr. Marié, trois enfants. Marié, trois enfants, d'accord. Et l'amant au téléphone, non? Non. Non, c'est pour savoir. Non, sérieux. C'est pour savoir. Céline. Des petits bisous d'amour au téléphone. Petits bisous d'amour? Bah oui. Oui, au téléphone. Bah oui. Voici la question coquine. En couple, combien s'envoient des SMS coquins? Des petits SMS, vous voyez? Des petits coquins. Céline? 28 sur 100. Christelle, des SMS de temps en temps? Ouais, de temps en temps, ouais. Mais pas à mon mari, à des copines, à des voisines. Mais pas coquin. Non. Bien. Christelle, vous répondez? Moi, j'ai répondu 59. 59 couples? Ouais. Bien. Abel? 52. Ouais. 52. Et en fait, les Français ont répondu s'envoyer des SMS coquins à hauteur de 11 seulement. Eh bien, Céline est la plus proche. Ça va bien du côté de Céline. Et malheureusement, Christelle rance pas que le bas. Ouais. J'ai perdu le dernier pote. Ouais. Je suis un peu triste quand même. Ouais, moi aussi. Je vais vous offrir quand même un... Vous êtes venu comment, là? En avion. En avion? Vous avez une voiture, tout ça? Ouais. Sympa, la voiture? Deux, même, ouais. Deux voitures? Ouais. Une chacun? Ouais, voilà. Voilà? Ouais. Vous avez un autoradio, tout ça? Ouais. Là, c'est le dernier cri des autoradios. C'est un autoradio CD MP3 qu'on vous a. 120 watts dans la voiture. Avec l'autoradio, tu vas rouler disco, tango, techno. Ça va faire boum boum dans l'auto. Est-ce que vous parlez un peu l'alsacien ou pas du tout? Des quelques... Ouais. Et comment on dit bon appétit et bienvenue sur la deuxième marche à tous? Akueta und. Akueta, c'est bon appétit. Akueti, c'est bon appétit. Oui. Bienvenue. Welcome. Non, pas tout à fait. Votre mari, vous parlez l'alsacien, monsieur? Oui. Comment on dit bienvenue? Welcome. Welcome. Yeah. Excusez-moi. Jean-Luc Reichmann, vous prêtez l'excuser pour une très mauvaise prononciation de ma part. C'est normal. Vous avez dit welcome? À la deuxième marche. À la deuxième marche? Oui. Welcome à la deuxième marche? Jawohl. Tu vois, c'est un peu facile l'Alsacien, il me semble, non? Je pense que c'est... Excusez-moi de vous déranger, mais... La marche en allemand, c'est Stufe, non, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Christelle est en train de s'étouffer. Va se passer, Christelle? Ça va aller, d'accord? La marche se dit Stufe. C'est ça qui vous fait rire. À la deuxième Stufe. Respirez par la bûche. Dites-moi, Christelle, tout va bien? Oui. Là. Donc, bienvenue sur la deuxième marche, on pourrait dire... Welcome. Auf die zweite... Stufe! Also! À
Alors Abel, comment ça s'est passé la venue à attention à la marche? Expliquez-moi Abel. Ben, c'est un peu grâce à Daniel et puis c'est un ami. Oui. En même temps, c'est l'organisateur de oui. ce voyage. Oui. Et puis bon ben, il a organisé. Expliquez-moi. Ah, vous avez la moitié des gens qui sont ici, c'est moi qui les ai ramenés dans mon autocar. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes le chauffeur du bus et vous avez été tiré au sort dans le public. Voilà, tout à fait. C'est original. C'est incroyable. Donc ce sont eux qui sont venus jouer et c'est vous qui êtes tiré au sort. Voilà. Ils ont voulu que je joue, hein. Allez, d'accord. Ah, et en plus, bah, c'est super sympa. Eh bien, écoutez, Abel, et vous, Céline, ça vous est venu comment de venir jouer En fait, c'est une copine, Karine, qui m'a dit, viens, c'est super. Jean-Luc, il est sympa et tout, donc elle nous a inscrits. Mais c'est qui cette Karine là? Elle est là. Mais venez, ma Karine, mais je vous embrasse, il est sympa, autant de regarder. C'est mignon de nous avoir amené. Hein? Et celle qui a été dégradée au sort? Ben, c'est sympa, c'est la vie. N'oubliez pas, bien sûr, que si vous voulez être tiré au sort, il y a un numéro de téléphone qu'il ne faut point omettre au quotidien. C'est le 0897 66 4000. Pour gagner jusqu'à 1000 euros par jour, il faut s'inscrire. Tirage au sort également par SMS, M-A-R-C-H-E. Et vous envoyez le tout au 62-500, mais point de message coquin. Non, 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 juste une inscription. Et c'est un tirage au sort. La première question va nous parler de goûter. Apparemment, qu'est-ce qu'il y a, Baby Pot? Il est énervé. Je sais que t'as faim, mais d'abord, on attend la fin de l'émission. On a parlé de goûter, on n'a pas parlé du déjeuner. Je sais que t'as faim, tu attendras. Tu attendras tout à l'heure. Non, mais des fois. La première question nous parle de goûter sur 100 hommes. Quand on dit 100 hommes, hommes et femmes, mode d'emploi, combien prennent régulièrement un goûter l'après-midi? Goûteux. Que les hommes. Ah, que les hommes. Oui. Ah, les hommes, moi, j'ai 40. Sur ces petites haches. 40. 40. 40 hommes, j'en sens en prennent un goûter. Alors, pour vous, Céline, c'est tout simplement le jeu du plus ou du moins? Moi, je vais dire moins. Moins, et en fait, les hommes m'ont dit prendre un petit goûter régulièrement dans l'après-midi. Ah non, c'est plus 59. Abel, ça commence bien, cette marche pour vous. Est-ce que quand même votre métier vous laisse un petit peu de temps loisir, Abel? Vous savez, on est un peu comme les cordonniers, les plus mal chaussés. Ah. On emmène les gens se promener, voir, visiter et tout, mais nous, l'autocar, on ne peut même pas le placer. Alors il va falloir le garer un peu plus loin, le sortir de la ville. Mm-hmm. Et puis on est toujours... Voilà. Mais sinon, c'est un super métier. Hein. Eh oui, mais attendez, c'est pour votre plaisir, vous voyez, Abel, c'est ça c'est pour vous. Qui est bien. Bon, Abel, déjà, la majorité du public est avec vous, hein. Ça, c'est clair. Céline, votre enfant a 9 mois, Théo, c'est ça? Oui. Et un petit peu de loisirs quand même depuis qu'il est né? Ah oui. Du sport, des balades, plein de choses. Des balades? Oui. Bien. Eh bien, vous voyez, vous êtes dynamique, cela fait bien plaisir. On parle de lecture. Quel est ton millimètre? En millimètres, la hauteur d'un livre de poche, en sachant bien sûr que 10 mm est égal à 1 cm. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est la question. Le livre de poche a 50 ans cette année. Alors pourquoi livre de poche? Parce qu'il a été formaté pour qu'il rentre dans la poche d'un manteau. 146, donc 14, quasiment 15 cm. Oui. Le livre de poche, d'accord. C'est le jeu du plus ou du moins, Abel? Moi, je vais dire moins. Moins de 14 cm, un livre de poche, la hauteur est de... Ah non, c'est un peu plus. Céline! Un petit peu plus, 17 cm en fait. Mmh. Question suivante est en musique. Sur 100 femmes, combien ont une trousse à maquillage dans leur sac à main? Je veux dire 80. 80 trousses à maquillage dans leur sac à main.
Je vais dire moins. Moins. Qu'est-ce que je peux trouver dans votre sac à main, vous, Céline? Un peu de tout. Un petit peu de tout. En passant par les comprimés, les papiers, les lunettes, plein de choses. Bien, c'est un peu le bazar, alors? Bazar rangé, quand même. Un bazar rangé. La réponse est-elle moins? Est à 38. Ah bah oui, c'est moins. Alors là... C'est une femme. C'est Abel. C'est une femme, bravo. Eh ben oui. Ah ben oui, trousse de maquillage. Moi. Question suivante, on va parler d'un péché. Si je vous dis péché, Abel, un péché, tout de suite, vous pensez à... Le péché d'Abel. Oui, le péché, oui. Karin qui m'a mis un coup de couteau dans le dos. Bien. Céline. La jalousie. La jalousie. Jalouse. Bah, un petit peu. Question suivante. Nous allons, mes amis, à Lourdes. Bernadette, elle est très chouette. Sa cousine, elle est divine. En moyenne, combien de messes sont célébrées chaque jour à Lourdes? Rappelons que c'est là que Bernadette Soubirous eut la vision de la Vierge en 1858. 8. 8 messes à Lourdes. Vous êtes déjà allé à Lourdes, Abel? Oui. Donc dans les églises diverses et variées, combien de messes on a dit Moi je dis moins. Moins de 8. Bien. Et la réponse est 2. 52 messes par jour, Céline monte sur l'escalier Vichy. J'étais vraiment ravi de vous avoir, Abel. C'était un bonheur. Ainsi va le jeu. Et merci, merci pour tout. Merci de cette émission. Merci de tout le monde était chaleureux, super sympa. Merci, monsieur l'autocariste. Abel, nous lui offrons justement un tombu télé magnétoscope. Bravo, c'est avec son super look argent. Même éteint, vous serez content. Ce combi magnétoscope qui enregistre les émissions non-stop, mais ça, c'est le méga top. Combi télé magnétoscope. Merci encore de votre sourire et puis bienvenue au sourire de Céline sur l'escalier pour gagner jusqu'à 10 000 euros. C'est beau. Merci. L'on commence par vous offrir 250 euros. Je vais juste aller voir notre ami alsacien. Comment on dit en alsacien, l'on vous offre 250 euros pour commencer? Mit den 250 Euro schanke. C'est très très sympathique. On monte bien sûr sur la première marche ensemble et je dirais même an zusammen. So. Rasoirs furent équipés pour la première fois d'une deuxième lame. Vous savez, il y a les deux lames, les fameuses deux lames. Ils apparurent soit en 71 ou en 81. C'est la première question. Bien sûr, comme disait la publicité, la première lame coupe le poil en le tirant. La deuxième peut le recouper avant qu'il ne se rétracte. Ah oui, alors, non, la première lève le poil. Lève le poil, le... Mais sans le couper. Si, si, elle le coupe, mais elle le tient levé et paf, c'est recoupé une deuxième fois. Ah voilà, non, c'est ça, parce que moi, je crois qu'elle lève le poil, la première lame, et paf, d'accord. Alors maintenant, il y en a trois lames, hein, et la oui. Troisième recoupe le poil avant qu'il n'ait l'intention de repousser. C'est énorme. Et c'était en quelle année que c'est apparu, ça Non, enfin bon, là, pour l'heure, on en est aux deux lames. 71. 71. Oui. Bien. Abel, 71, ou... vous auriez dit... Au-dessus. 80, monsieur. Ah oui, d'accord, c'est un plus à un double étage. Bien. La réponse est... Eh bien, c'est la bonne, ça commence bien pour vous. €500 pour commencer cette ascension et nous tentons de partir. Depuis l'invention de l'automobile,
Il y a eu en France 120 constructeurs ou 1020 constructeurs à se disputer le marché. En France. Effectivement, c'est en France. 120. 120, nous validons votre réponse. On s'adresse aux téléspectateurs, bien sûr, qui veulent gagner jusqu'à 1000 euros. 0897 66 4000. Jusqu'à 1000 euros, vous pouvez gagner sur TF1 au quotidien. 120, on a marqué, il n'y a pas de souci. On a validé votre réponse. Et nous revenons après une toute petite pause. Faire une virée à deux. Une petite virée à deux. Tous les deux sur les chemins. Tous les deux sur les chemins. Dans l'automobile. Dans mon automobile. C'est good. Tous les deux, on sera bien. Nous sommes bien chaque midi sur TF1. Et la question était, ma foi, fort intéressante. Celle-ci nous disait, depuis l'invention de l'automobile en France, il y a eu 120 ou 1020 constructeurs sur le marché à se disputer ce marché. Vous avez répondu 120. 120 constructeurs. Alors, quelques petites infos en ce midi sur TF1. Eh bien, pour qu'une voiture soit sur le marché, il faut qu'elle soit homologuée par les mines, avec des critères de sécurité, bien sûr. Bien sûr. Alors, rappelez-vous les vieilles marques de voitures, Jean-Luc, les De Dion Bouton, les Hispano Suiza, les Delahaye, les Panhard Levassor, etc., etc. Était-il 120 à se le disputer, ce marché, depuis le début de l'automobile Ah non, 1020. Ah oui, ça, depuis la création, c'est vrai quand même qu'il y en a pas mal qui se sont succédés. Là, l'on reste bien sûr assis sur les 500 euros acquis. Et nous allons tenter de partir du côté de Rome. Durant la Rome antique, l'espérance de vie d'un homme était de 22 ans ou de 42 ans. 22, vous répondez vite, très vite. L'on se retourne assez rapidement vers le téléphone. Bonjour, qui est à l'appareil ? Coucou, c'est Barbara. Barbara ? Oui. On vous offre pour commencer bien sûr 500 euros grâce au 0897 66. Merci 4000. Beaucoup, merci beaucoup. Je suis très 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 heureuse. Hein. Barbara, êtes-vous d'accord avec la réponse formulée 22 ans, l'espérance de vie du temps de la Rome antique par Céline ? Alors 22 ans ou 42 ou 80, je ne sais plus ce que c'est. 22 ou 42 ans ? 42 ans. Je pense que c'est 22 ans. Vous pensez que c'est 22 ans. À l'époque, je pense qu'il vivait pas très longtemps. Je ne sais pas. 22 ans. Allez, 22 ans. 22 ans. Oui, oui, oui. Est-ce pour vous 1000 euros tout chaud ? Oui ! Oh, je suis contente. C'est sympa, finalement, de faire plaisir. On vous offre donc 1000 euros, Barbara. Oui, merci beaucoup, merci. Je vous fais, Jean-Luc, des gros, gros bisous. Donc, je vous en prie. Pour tout le monde, pour un charmant d'accueil que j'ai eu. Je fais des gros bisous pour tout le monde. Au téléphone. Merci également de nous recevoir chez vous au quotidien. Merci de votre accueil, Barbara. Oui, et bien couillant. Au revoir, Barbara, bon appétit. Au revoir. Bon appétit. Au revoir, merci beaucoup. Alors, merci. Jean-Luc. Oui. Pourquoi ce chiffre si faible d'espérance de vie à l'époque de Rome ? Il y avait des guerres, des famines, l'esclavage, des gladiateurs, des épidémies. Et aujourd'hui, l'espérance de vie est de 75 ans pour les hommes et de 82 ans pour les femmes. Merci infiniment de cette information. Merci beaucoup. Et pour vous, tout va bien. Ça va. On vous offre donc 1000 euros. Merci. On va tenter donc 5000 euros maintenant. Ici même, tout là-haut. Et pour ce faire, nous allons aller en Angleterre.
Nous sommes le mardi 6 mai. Un 6 mai est né Tony Blair. Quel âge a-t-il donc aujourd'hui? Le Premier ministre anglais, aujourd'hui pour 5000 euros, a 40 ans. He is 40 years old. A-t-il 45 ans? Vous voyez bien sûr Tony Blair, pas de problème. Oui, oui, je le vois bien. Oui. 50 ans? Oh, 55 ans. J'hésite entre 40 et 45. Je dirais 40. D'accord, dans un premier temps. Dans un premier temps. 40. On se retourne vers nos amis de l'Alsace, de la Lorraine. Attention, c'est important. Si vous êtes d'accord avec la réponse formulée aujourd'hui, vous êtes prié de vous lever. Il y a 5000 euros à la clé. Vous vous levez et... Bon, je vais la formuler un peu différemment. Ceux qui veulent du champagne se lèvent. Mais non, mais c'était pour rire. Abel, vous vous levez, mais ça va pas. Vous conduisez le bus, vous. Non, mais des fois. C'est pour mes clients. Bien. Donc, vous vous levez pas, vous êtes pas d'accord? Personne? Même pas un? Donc, 40, ça vous plaît pas du tout? Bon, d'accord, j'ai vu. On se retourne donc. Pourtant, il me semble qu'il est jeune. Alors, attention. Céline, on ne fait pas de bêtises. Maman au foyer, bon là, effectivement, personne n'est d'accord avec vous. Vous n'avez le droit à changer qu'une seule fois et à dire qu'un seul chiffre. On ne dit pas j'hésite entre eux. Bien. Si on change, on donne un chiffre et un seul maintenant, bien sûr. Il y a, bien, 5000 euros à la clé. D'abord, est-ce qu'on change? Je me tâte. Vous vous tâtez? Je me tâte. Bien, mesdames et messieurs. Je sais qu'il est assez jeune pour un ministre. Mm-hmm. Je vais dire 45. Je change et je dis 45. Ah. Vous avez vu comment vous êtes le public? Ça y est, alors là, vous êtes content, là? Parce que j'ai perdu. Là, apparemment, parce que vous avez changé, bien. La première année que vous désirez dévoiler en ce mardi 6 mai. 40. 40 ans. Y a-t-il 5000 euros aujourd'hui derrière 40 ans pour Tony Blair? Est-ce que vous avez bien fait de changer et de suivre? Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez ça me fait peur. Ça vous fait peur? Oui. Écoutez, on va le savoir tout de suite. Tony Blair. Oh, ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il y a trop de zéros là. Je croyais que c'était fini pour moi. Non, c'est pas fini. Vous avez bien fait de changer. Voilà, j'ai bien fait de changer. Il n'y a pas 5000 euros derrière. La deuxième case. 50. 50. Alors, une petite information. Oui. Tony Blair, born in Scotland, né en Écosse, premier ministre britannique depuis 1997 et comme les tous les premiers ministres britanniques résident au 10 Downing Street à Londres. 50 ans aujourd'hui, Tony Blair. Y a-t-il 5000 euros derrière? Eh oui, 50 ans aujourd'hui. Mais tout de même, écoutez, on va vous offrir 1000 euros. Merci beaucoup. Et puis, on va faire une virée sur les petits chemins, en automobile. Merci à tout le public aujourd'hui sur TF1. Merci à tous. Et merci surtout à vous, chers téléspectateurs, d'être présents au quotidien sur TF1. Au revoir, bon appétit.